les filles, mais écoutez, je vous reviens avec une vidéo un petit peu à l'arrache, comme ça. Il est quasi 3h du matin. Je viens de tomber des nues car sur Facebook, j'appartiens à un groupe qui m'a accusé en gros d'avoir plagié une autre youtubeuse et à juste titre, peut-être, hein, effectivement, dans la manière dont j'ai amené la chose, puisque j'ai trouvé que son approche était intéressante d'avoir fait plusieurs parties pour exposer les faits. Donc j'avais repris ce modèle-là. Grand mal m'en a fait, bien sûr, donc je vais bien sûr retirer la vidéo, puisque je pensais pas que ça allait faire polémique à ce point-là, et franchement, à 30 ans, on n'a pas forcément envie de perdre son temps avec ce genre de choses. Donc bien sûr, je vais retirer cette vidéo. Je me permets de m'excuser auprès de mes abonnés pour le concours du coup qui va être remis à plus tard. Je vais vous faire une vidéo demain à tête reposée tranquillement pour réouvrir le concours sur le pain de soufre. Et puis je ne pense pas retourner ou faire d'autres vidéos concernant la pousse des cheveux parce que justement je veux montrer à ces personnes qui ont sous-entendu que je faisais cette vidéo parce qu'elle avait permis à l'autre youtubeuse de se faire connaître et d'avoir plein d'abonnés grâce à ça. Justement, j'ai envie de leur montrer que bah, justement, je peux avoir des abonnés, mais sans ce type de vidéo. Donc, excusez-moi pour celles qui auraient eu tout intérêt à regarder ça pour avoir justement la primeur de toutes les astuces que j'avais trouvées pour vous simplifier un petit peu la pousse de vos cheveux. Il y en avait quand même 60, hein, donc la fille en question en a 18 dans sa vidéo. Moi, j'en avais 60. Donc 60 moins 18, ça fait quand même 42, hein. 42 astuces d'écart. Donc oui, effectivement, dans la manière d'amener la chose, peut-être, oui, j'ai plagié et encore, à la limite, on verra si YouTube bloque la vidéo parce que soi-disant, j'ai été déclarée comme plagiste. Non, plagiste, c'est celle qui va à la plage. Non, mais voilà, quoi, comme copieuse, oui, je suis une copieuse. Donc voilà, bah, écoutez, si vous avez envie justement bah, de faire comprendre à ces personnes que j'ai pas besoin de ça pour gagner des abonnés, bah, abonnez-vous ici, hein. Pas de soucis, hein. Parce que de toute façon, dans tous les cas, j'ai d'autres sujets à traiter que ça. Après, honnêtement, je vais vous donner mon astuce. Franchement, et cette personne, j'en avais rigolé avec elle. Je pensais pas que ça allait faire un foin pareil. Tomber enceinte, hein, parce que les hormones, en fait, plus vous faites l'amour, plus vous avez les cheveux qui poussent. Donc faites l'amour, tombez enceinte, ayez bien des hormones en activité. Ça va vous faire pousser les cheveux. Ah oui, parce que c'est pas une astuce qu'elle a donnée elle, donc comme ça je peux vous la donner moi. Hein. Et surtout, le Ricinus communis en homéopathie. Vous allez chez votre médecin, vous lui demandez ça en prescription, c'est remboursé par la Sécu. Et en fait, vous prenez ça, 5 granules 3 fois par jour, et vous êtes tranquille, vos cheveux pousseront, on va dire, moi ça fait 25 cm en un an. Voilà. Donc en gros, mes deux grosses astuces, quoi. Parce qu'après, on va dire que je copie. Donc j'ai pas copié en tombant enceinte et en ayant un bébé. Donc ça, c'est une astuce que je peux vous donner. Après, bon, je prends ça à la rigolade. Mais bon, il est quand même 3h du matin et ça m'a un peu ruminé. Donc je voulais absolument vous faire cette vidéo, même si j'ai pas une gueule particulièrement intéressante. Je pense que ce que je dirai dans cette vidéo vous intéressera quand même. Sachez quand même que je me pose des questions aussi sur la légitimité en fait de rester sur YouTube à l'heure actuelle. Parce que tomber sur des gens qui veulent mais chercher la petite bête, ouais j'ai plagié, ouais si elle veut, mais moi il n'y a pas de souci. Je veux dire, moi je fais bien des tags pour que justement l'idée soit reprise. Je pense pas avoir plagié dans toute la vidéo non plus, il faut arrêter 5 minutes. Voilà, après comme je dis, j'ai 30 ans. J'ai passé l'âge de m'épancher pendant 4 plombes sur ces problèmes futiles. Donc, tout simplement, j'efface la vidéo. Je n'en referai pas d'autres. Je la garde sur le coude au cas où, hein, on ne sait jamais. Si elle arrête dans 15 ans, et que dans 15 ans, si je suis encore là, ben, je la reposterai. J'aurai un petit peu moins de rides et puis je serai heureuse de me revoir 15 ans après. Donc voilà, ben, n'hésitez pas à commenter, à liker, tout ce que vous voulez. De toute façon, voilà quoi. On ne peut pas me faire plus de mal que ce qu'on m'en a fait ce soir, je pense. Donc voilà, je vous laisse. N'oubliez pas que la vie est belle en rose, même si ce soir c'était pas trop trop le cas. Je vous fais plein de bisous
N'hésitez pas à vous abonner pour prouver à ces gens-là qu'il n'y a pas besoin d'une vidéo sur comment faire pousser ses cheveux pour avoir des abonnés en plus. Et puis, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous, ciao!